Qui vous Times? Qui vous Times? Et nous avons trouvé que c'était très nécessaire que toutes les femmes soient capacitées dans tout ce que le prix Nobel a pu mener comme combat en faveur de la femme. Nous sommes déjà dans une lutte qui vise, n'est-ce pas, à soutenir la candidature du prix Nobel de la paix, lui qui nous a déjà montré que si la population, la base, s'organise suffisamment, il va pouvoir se prononcer favorablement pour qu'il se présente à l'élection présidentielle que nous projetons cette année 2023. Alors il était non seulement question de parler des réalisations du prix Nobel de la paix depuis plus de 20 ans, mais aussi c'était une opportunité de pouvoir créer un réseau puissant de femmes qui soient capables aussi de se mettre en mouvement, en marche, pour que nous puissions ensemble aller vers le changement du pays en ce qui concerne aussi la gouvernance. Nous voulons que les femmes, à leur niveau aussi, puissent se présenter comme des candidates aux prochaines élections, comme à la députation nationale, pour ce qui concerne aussi les élections municipales. Nous voulons vraiment les organiser pour qu'elles puissent aussi prendre part dans la gestion de la chose publique. Nous voulons ces femmes qu'elles puissent aussi s'intégrer dans les instances de prise de décision, comme nous le recommande l'article 14 de notre Constitution. Et déjà, nous avons essayé de former quelques formateurs, des formateurs au niveau de l'appel patriotique, pour que tous ces formateurs puissent être déployés sur terrain et travailler sur la sensibilisation de la base et l'électorat. Et donc, ils vont faire ce travail de sensibiliser tout le monde à aller s'enrôler pour que nous puissions avoir suffisamment d'électeurs pour notre cycle électoral. Et donc, c'était aussi une opportunité pour nous, je ne dois pas l'oublier, pour les femmes, d'annoncer déjà le grand travail qui va se faire pour accompagner le prix Nobel et donc le lancement officiel de notre collecte de fonds pour pouvoir payer la caution du prix Nobel de la paix. Et les femmes veulent être déjà les premières à initier cette démarche pour montrer qu'elles sont déterminées à s'engager avec le prix Nobel. Et que faire Kivu Times. Kivu Times.